Bonsoir. Je vois aux informations là qu'il y a des, des personnages politiques autour de Sarkozy, Juppé, enfin partout dans l'UMP. Ça ressemble à une espèce de fourmilière là sur lesquelles on aurait versé je sais pas quoi. C'est assez hallucinant quoi, hein. C'est vraiment panique à bord. Moi, ça me rappelle exactement l'époque où Eva Joly avait justement fait son travail en tant que juge d'instruction et où c'était une panique absolue, déjà à l'époque. Et je vois que on en est toujours là, quoi. Alors, grosso modo, là, actuellement, il y a des gens au sein de l'UMP qui cherchent à déstabiliser le système judiciaire français. Comment s'y prennent-ils? Ils prétendent, donc, ils accusent le chef de l'État, Christiane Taubira, Manuel Valls, d'avoir été informé de ses écoutes téléphoniques. Alors, je tiens à rappeler que le but recherché, c'est que la justice française soit indépendante du pouvoir. D'accord? C'est-à-dire que les juges d'instruction fassent leur travail sans qu'ils ne soient obéissants à l'exécutif. Enfin, obéissant, oui voilà, c'est ça, que leur démarche ne soit pas commanditée par le chef de l'État. Donc, que le chef de l'État et que Christiane Taubira aient été informés des grosses lignes, c'est une chose probable, effectivement, mais ça n'a aucune importance, parce que, justement, c'est ce qui est souhaitable. Qu'ils soient informés, c'est normal. Ce qui importe, c'est de savoir s'ils ont commandité ou pas. Et ils n'ont absolument pas commandité, et vous le savez tous fort bien. Ce qui vous pose problème, c'est qu'ils foutent le nez dans vos sales affaires. C'est ça la véritable raison. Le travail qui est en train de se faire sur le plan judiciaire est un travail absolument fondamental. Et ce qui vous emmerde profondément, c'est qu'aujourd'hui, les banques commencent à être trempées. Il y a des tas de gens puissants dans l'opposition aujourd'hui, des gens qui magouillent de tous les côtés et que vous avez tous la trouille. Voilà la vérité. C'est ça qui vous emmerde. Mais vous n'avez pas fini d'en voir, parce que c'est complètement indépendant du pouvoir, ça, ce qui se passe aujourd'hui là. Vous avez affaire à des gens, effectivement, oui, au ministère de la Justice, pas Christiane Taubira, mais juste en dessous d'elle. Hein. Elle est au courant des grosses lignes, telles que la loi le prévoit, effectivement. Mais ça n'est pas elle qui décide de ce qui se passe à l'intérieur des dossiers. Ce sont les juges d'instruction. Ils font leur travail. Ils font leur travail. Alors laissez-les faire leur travail. Et ce serait bien que vous n'utilisiez pas la démocratie à des fins vraiment peu recommandables. Parce que plus vous insistez, plus franchement c'est suspect. Hein. Moi personnellement, ça ne me dérange pas du tout qu'on vienne fouiller dans mes comptes. Hein. Ni que je sois sur écoute. Hein. Ça ne me pose mais alors aucun problème. Hein. J'ai rien à cacher, moi. Rien à cacher. Visiblement, ce n'est pas le cas de tout le monde. Hein.